Dimanche 3 mai 1959. Ce matin, le soleil verse sur la ville éternelle des flots de lumière bienfaisante. Les pèlerins affluent sur la place Saint-Pierre et avec eux, les sœurs grises viennent assister à la glorification de leur fondatrice, Mère Marguerite Duville. Les cardinaux, qui président les congrégations romaines, viennent occuper le presbytérium. Ils sont suivis des archevêques, évêques, prélats et autres dignitaires. Le même cérémonial qui s'est déroulé pour la béatification de tant de serviteurs et servantes de Dieu est repris aujourd'hui à la gloire d'une Canadienne française de la province de Québec. L'Église du Canada entre dans la voie des grands peuples chrétiens. Le Saint-Siège a voulu que l'honneur d'officier à la béatification de Mère Duville revienne à l'évêque du diocèse où vécut la Bienheureuse, son éminence le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal. Le recteur du Collège pontifical canadien, M. Bissonnette, prêtre de Saint-Sulpice, va remettre au préfet de la Sacrée Congrégation des Rites, le cardinal Cicognani, le bref apostolique de la béatification et le prix de bien vouloir en ordonner la publication. Pour que lecture du bref soit autorisée dans la basilique pontificale, les postulateurs de la cause s'adressent à son éminence le cardinal Tedeschini, archiprêtre de Saint-Pierre, qui répond. Legantur. Qu'il soit lu. Papa Vigesimus Tertius ad e perpetuam rei memoriam. Caritatis preconium. Pendant qu'on distribue des copies du bref aux dignitaires, Monseigneur Barbetta en donne la lecture. Voici qu'au Canada, il s'est rencontré une âme d'élite qui a singulièrement rehaussé la gloire de cette Église du Christ par l'exercice d'une charité aux aspects les plus variés. Les lettres apostoliques du Saint-Père souligne ensuite les miracles attribués à l'intercession de Mère Duville et illustrés par les tableaux suspendus dans la basilique. Après un résumé de la vie et des œuvres de Mère Duville, le Saint-Père décrète. Aussi, répondant aux vœux des sœurs de la charité et d'autres fidèles, nous accordons la faculté d'appeler à l'avenir du nom de Bienheureuse, cette même vénérable servante de Dieu, Marie Marguerite Dufraux de la Gemerais, veuve Duville, et d'offrir à la vénération des fidèles son corps et ses reliques, ainsi que d'orner de rayons l'image de la Bienheureuse. On dévoile la relique. Un émouvant silence prélude au moment solennel. Selon la coutume, des images de la nouvelle Bienheureuse
et sa biographie, rédigée en français, en anglais et en italien, sont distribués aux dignitaires et aux fidèles au cours de la cérémonie. Pour la première fois, l'Église invoque officiellement la Bienheureuse. Ora pro nobis, Beata Maria Margarita. Oremus, omnipotens et misericors Deus. Celle que jusqu'ici, les pauvres et les malades invoquaient dans le secret, est désormais proposée à l'univers chrétien comme une avocate puissante auprès de Dieu. La Sainte Église pose le sceau de l'approbation divine sur la vie, la spiritualité et les œuvres de la bienheureuse Marguerite Duville. Presque tous les évêques canadiens et plusieurs évêques américains sont à Rome pour ces fêtes mémorables. Ils rendent ainsi hommage à l'apostolat que les Sœurs Grises exercent dans leurs diocèses respectifs. Car la charité de Mère Duville s'étend, comme la devise de son pays, d'un océan à l'autre et se manifeste généreusement dans les deux Amériques, au Japon, en Afrique et jusqu'au cercle polaire. La province de Québec est représentée par deux de ses ministres, l'honorable docteur Arthur Leclerc et l'honorable Antonio Eli. À leur côté, l'ambassadeur du Canada à Rome, M. Léon Méran, et le conseiller de Montréal, M. J.O. Asselin. L'élévation de l'hostie devant la relique rappelle qu'au premier temps de la chrétienté, on célébrait la messe sur le tombeau des martyrs. Les autorités majeures des six communautés des Sœurs Grises sont au premier rang. Au nom des 7000 Sœurs de la Charité disséminées de par le monde, elles sont venues à Rome assister au triomphe de celle que le pape Pie XII appelait la Mère de la Charité universelle. Les filles de Mère Duville assurent aujourd'hui la continuation de l'œuvre que leur bienheureuse fondatrice établissait il y a plus de deux siècles, sous le double signe de la foi et de la charité, et selon l'idéal même des saints de la primitive Église. Au balcon, qui domine la place Saint-Pierre, une immense peinture de la Bienheureuse a été découverte au moment où, dans la basilique, s'illuminait la gloire du Bernin. Elle annonce à la ville et au monde l'heureuse nouvelle.
dans l'après-midi, entouré de la garde noble et de la garde suisse, le souverain pontife, porté sur la sedia gestatoria, vient vénérer la nouvelle béatifiée. Oremus, omnipotens et misericors Deus, qui beatam Margaritam famulam tuam. C'est à son Excellence, Mgr Maurice Roy, archevêque de Québec et primat de l'Église canadienne, que revient l'honneur d'officier à la bénédiction du très saint sacrement. Concede quesumus, utilius caritatis et patientiae vestigia sectantes, premia consequa amor eterna. Per Christum Dominum Nostrum. Bien des pèlerins pourront dire à leur retour, nous avons prié avec le Saint-Père en une occasion qui restera mémorable, non seulement pour nous, mais pour l'histoire de l'Église au Canada. L'ostensoir, qui bénit la foule agenouillée en la basilique Saint-Pierre, porte aussi sa bénédiction à tous ceux qui, de par le monde, s'unissent à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est la coutume, à l'issue d'une béatification, d'offrir des présents au Saint-Père. On lui apporte une statue d'argent de Mère Diouville. Dans le socle est enchâssée une relique de la Bienheureuse. Il reçoit les décrets, les biographies et un bouquet de fleurs qui, selon la tradition, doivent être artificielles.
Une cérémonie de béatification est toujours suivie d'un triduum solennel d'action de grâce célébré dans une église de Rome. Il convenait que le temple des saints martyrs canadiens soit choisi en cette occasion. Cette église, élevée grâce à la générosité des Canadiens, est confiée au Père du Saint-Sacrement qui assure le ministère paroissial à ce quartier résidentiel romain, devenu pour quelques jours le carrefour du Canada, où plus de 600 pèlerins du Québec et des autres provinces se sont réunis autour de leur chef spirituel. Précédé de l'escorte d'honneur que Rome réserve aux princes de l'Église, son éminence, le cardinal Léger, vient assister à la première journée du Triduum. Il est accueilli par les supérieurs généraux des pères Oblats et des pères du Saint-Sacrement. Son Excellence, Mgr Baggio, délégué apostolique au Canada, se joint aux pèlerins canadiens. Le gigantesque ostensoir, où le Saint-Sacrement est exposé pour l'adoration perpétuelle, domine l'autel. Son Excellence, Mgr Maurice Roy, célèbre le Saint-Sacrifice. Du panégyrique prononcé en français par le cardinal Léger, nous citons « Toutes les dispositions providentielles recèlent un sens, une raison cachée qui deviendra tôt ou tard claire et transparente, comme une tactique de Dieu manifestée dans l'éclat de l'éternelle lumière. Elles sont l'indication de la voie individuelle vers le royaume de la béatitude. Le révérend père, Moïse Roy, est l'âme dirigeante de ces manifestations. » Son éminence, le cardinal Tedeschini, à titre de protecteur de la communauté des Sœurs Grises, officie à la bénédiction du Très-Saint-Sacrement qui termine ce premier jour du Triduum. Au deuxième jour, sous cette voûte où les arcs se joignent comme des mains pour la prière, le délégué apostolique, Mgr Baggio, célèbre la pontificale. Le panégyrique en anglais est prononcé par Son Excellence Mgr William Smith, évêque de Pembroke. Dans l'après-midi, le supérieur général de Saint-Sulpice, M. Girard, célèbre la messe basse. Cette deuxième journée du Triduum s'achève par la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement donnée par Son Éminence le cardinal Marcello Mimmi. Ainsi, pendant trois jours, les sommités religieuses du Canada et de Rome viendront tour à tour invoquer celle dont le nom s'inscrit maintenant dans l'histoire de l'Église. Monseigneur Remedio Federici, postulateur de la cause, assiste à la messe aux côtés des évêques canadiens. C'est en italien qu'est prononcé le dernier éloge à l'adresse de la Bienheureuse. Son Excellence, Monseigneur Coderre, évêque de Saint-Jean, Québec, célèbre la messe à la gloire de celle qui naquit dans le diocèse dont il est aujourd'hui le pasteur. Son Éminence, le cardinal Gaetano Cicognani, a présidé aux travaux historiques et à l'examen des miracles qui ont abouti à la béatification. Il officie à la bénédiction du Très-Saint-Sacrement, dernière cérémonie de ce triduum solennel.
Au cours de ce triduum, le Saint-Père a bien voulu accorder une audience spéciale aux pèlerins du Canada. Son geste expressif manifeste sa joie et sa reconnaissance devant les présents vases sacrés et ornements liturgiques qu'on lui offre pour les missions pauvres si chères à son cœur de pasteur. Les sœurs grises maintiennent elles-mêmes plusieurs missions en pays infidèles. Leur zèle apostolique s'exerce également dans les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et les hospices, où leur dévouement s'identifie à l'idéal de Mère Dieuville. Une brève allocution de son éminence le cardinal Léger résume l'histoire de l'Église au Canada, à laquelle le souverain pontife vient d'ajouter une nouvelle page. Et le Saint-Père répond: Chers fils du Canada, venus à Rome pour la solennelle béatification de la mère Marie-Marguerite de Joinville. Et parmi vous, nous saluons très particulièrement les chères sœurs grises, tout à la joie de la glorification de leur fondatrice. Le Saint-Père reçoit l'hommage des évêques en qui il voit les héritiers et les continuateurs d'une lignée de prélats et d'apôtres qui, à la suite de Monseigneur de Montmorency-Laval, ont implanté profondément la foi chrétienne sur les rives du Saint-Laurent et dans tout le pays. Aux autorités civiles et aux autres pèlerins, le pape a souligné: votre patrie doit beaucoup à ces femmes admirables qui ont fait au Canada la force de la famille chrétienne, pépinière de vocations sacerdotales et religieuses. Que les épouses et les mères de chez vous trouvent donc aujourd'hui, dans la glorification de l'une d'entre elles, un motif de fierté et d'allégresse. Et benedictio Dei omnipotentis, patris, et filii, et spiritus sancti, descenda super vos, et maneat semper. Rome, le rythme de la vie de tous les jours va se suspendre un moment. À l'heure où le soleil tombe droit sur la place Saint-Pierre, le pape apparaît à sa fenêtre pour la récitation de l'Angélus. Emportant dans leur cœur la bénédiction du souverain pontife, les pèlerins canadiens repartent de la cité vaticane, riches des plus émouvants souvenirs. Ils ont participé à l'inoubliable grandeur des cérémonies liturgiques. Ils ont été les témoins privilégiés de la béatification de leur compatriote, la bienheureuse Marie-Marguerite Dieuville, fondatrice des Sœurs de la Charité, première fleur de sainteté éclose en Amérique du Nord, perle précieuse enchâssée dans la couronne de l'Église universelle.